Alors, les mots permettent de rester vivants, ils permettent aussi de grandir. Direction Quimper, en Bretagne, sa poésie slamée prône la lucidité et la dignité du Collège de France à la France de l'au-delà, de Douala à l'infini. Rencontre avec Marc-Alexandre Obambé, dit Capitaine Alexandre. Slameur, romancier, chroniqueur, dandy de grand chemin, venu aux mots comme d'autres viennent au monde. À quoi sert la poésie ? À quoi sert la poésie ? À rien et à tout. Mais à quoi sert la poésie ? À rien et à tout. À quoi sert la poésie ? À rien et à tout. La poésie nous rappelle que nous sommes les mêmes. La poésie nous dit en substance, elle nous dit en parole, elle nous dit en acte que nous pleurons et que nous sourions dans la même langue. Les discours les plus nationalistes, les plus extrémistes, les plus racistes ne pourront jamais nier, ne pourront jamais nous enlever cette réalité. On pleure et on sourit dans la même langue, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quel que soit ce en quoi on croit ou ne croit pas, c'est comme ça en fait. Et ça veut peut-être dire quelque chose de l'humanité. Et quand je suis dans une salle de classe, quand je pousse la porte d'une salle de classe, quand je m'adresse à des étudiants, je pense toujours à ma mère qui disait que la littérature était une fête à laquelle tout le monde devait être convié. Certains peuvent refuser l'invitation, mais elle est adressée à toutes et à tous en fait. Je suis ravi d'être là pour passer 2 heures avec vous qui vont être une traversée de mots, d'émotions peut-être aussi. Ça dépendra de chacune, de chacun et de toutes et tous ensemble. Et en fait, on va avoir une cœur-versation. Et là, vous dites une cœur-versation, mais je suis sûr que vous savez ce que c'est une cœur-versation. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On va parler avec le cœur, absolument. Les mots sont caresses et tendresse, les mots sont main tendue à l'autre, les mots sont parfois coup de poing. Aussi pour dire la révolte, pour dire non à certaines injustices. Et est-ce qu'il y a un mot qui pourrait englober tout ça ? Qui pourrait contenir la tristesse, la mélancolie, l'amour, la joie, la colère, la violence, la déception ? Est-ce qu'il y a un mot ? La vie. La vie, merveilleux. Surtout, les mots ont cette vertu de nous élever, de nous relever et de nous donner envie de vivre digne et debout. Et de vivre digne et debout avec d'autres. La dignité... La liberté d'être debout n'est pas une chose personnelle seulement. Elle est aussi une chose qui peut être collective. Et je viens d'une culture en plus. Je suis douala, je suis sawa. Et donc bantou. Et chez les bantous, il y a ce mot magique, Ubuntu. Ubuntu, je suis parce que vous êtes. Ça dit la force du collectif. Tout le monde commence par je dirais pour qu'on ait la même musique. Comme ça au début. Ave Césaire. Je dirais feu, je dirais orage. Je dirais soyez libre. Je dirais de laisser les émotions sortir de notre cœur avec liberté. Je dirais peur. Je dirais profiter, ça c'est la vie rêvée. Je dirais au monde d'ouvrir les yeux et d'ouvrir son cœur. Je dirais pas que j'ai réussi, je dirais que j'ai bien avancé. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut enseigner et l'espérance en est une. C'est dire à des gamins, vous vivez dans ce monde qui est tressé de violence, qui est tressé de cynisme, mais qui est tressé de beauté aussi, et de beauté que vous portez en vous. Vous avez le droit de choisir. Je dirais, soyez libres. Déchargez-vous du poids du monde. Planez dans le ciel parmi les nuages. Prenez le temps de vivre, de savourer chaque instant. Il y a peut-être, et certainement surtout, chez moi, l'envie de leur transmettre qu'il y a des manières d'habiter le monde poétiquement. Et cette manière d'habiter le monde poétiquement peut être une manière bienveillante. Je dirais quoi ? Que la vie aussi splendide qu'une fleur, mais aussi piquante que les épines d'une rose, peut blesser n'importe quoi, n'importe qui. Derrière les sourires se cachent des larmes. Mais les larmes peuvent-elles devenir nos armes ? Je dirais de vivre malgré ces larmes, car personne ne peut nous juger avant la fin. Nous sommes tous capables du meilleur comme du pire. Il ne s'agit pas d'avoir, mais il s'agit d'être. Être soi-même et en relation avec les autres. Essayer d'être. Oser être. Et oser la symbiose avec soi-même. Je dirais oui à la liberté. Il ne faut pas se préoccuper du regard des autres. Si vous aimez, criez-le. Si vous détestez, dites-le. Criez vos sentiments dans votre cœur. Vous pensez que je suis fou, mais on ne vit qu'une fois. Je dirais que la vie n'est pas un simple cours d'eau tranquille. C'est un torrent d'épreuves qu'il faut surmonter avec douceur ou violence. Parfois on se brise contre un rocher ou on se noie. Mais on peut toujours se relever et se reconstruire. Il faut simplement trouver la force au plus profond de soi et accueillir la vie. Magnifique. C'est assez radical et simple pour moi de continuer à faire ma part modeste, en fait. Mais faire ma part pour que la lumière éclaire les êtres que j'aime. La lumière, quand on la partage, il y en a plus. C'est comme l'amour et la tendresse. Quand on partage, il y en a plus. Et jamais moins.